fait, la première chose qui arrive pour moi, c'est pour mon père en tout cas, pour mon père, la question du travail, elle s'est posée de manière très concrète pour moi dans ma vie, puisque mon père est quand même quelqu'un, est un militant politique en Amérique latine, qui s'est beaucoup engagé, qui a dû fuir son continent d'origine, parce que justement, poursuivi pour ses activités politiques, notamment par un certain nombre de dictatures latino-américaines, qu'elles soient uruguayennes, argentines ou chiliennes. Et moi, j'ai connu mon père après cet engagement politique, et notamment très engagé dans son activité de travail, notamment dans une activité d'ouvrier du bâtiment, de menuisier, une activité qu'il avait apprise dans un autre pays du continent latino-américain qui est Cuba. Et donc moi, j'ai connu mon père qui travaillait tout le temps, très engagé dans son travail, et notamment dans un travail de rénovation d'appartement. Et donc la question du travail, pour moi, elle s'est toujours située pour vraiment du côté d'une interrogation, c'est qu'est-ce que ça faisait le travail pour mon père. J'ai toujours vu mon père extrêmement habité par le travail, très soucieux de la qualité de son travail, et assez souvent comme si sa vie en dépendait. Et donc les questions, elles sont venues très directement via une interrogation, dans un premier temps, via mon père. Question éminemment intime, et qui fait qu'avec la psychodynamique du travail, quand même, j'ai retrouvé un certain nombre de propositions, propositions à la fois théoriques et pratiques, sur les liens qu'il pouvait y avoir entre le travail et la santé. Les écrits, notamment Souffrance en France, et aussi le livre de Pascal Molinier, qui est l'introduction à la psychodynamique du travail, Les enjeux psychiques du travail, ça a été une véritable découverte pour moi, puisque il y a eu une véritable résonance entre des questions intimes que je me posais et un savoir scientifique. Et j'ai compris un certain nombre de choses, ou en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Ensuite, plus largement, le travail a toujours révélé pour moi des questions politiques majeures. Et là, plutôt du côté de ma mère, qui était une dirigeante syndicaliste à l'hôpital de Béziers, et elle a toujours été extrêmement engagée dans des luttes à l'intérieur même de l'organisation du travail, au sein même du lieu du travail, et ça aussi, ça a été quelque chose de très présent pour moi. Finalement, j'avais les deux pendants, entre, on pourrait dire, la question de la santé mentale, et de finalement comment le travail permettait à un certain nombre de personnes de tenir, et là, quand je dis un certain nombre de personnes, c'était surtout mon père. Et d'un autre côté, la question du travail comme lieu de la lutte, du côté de ma mère. Voilà. La position que prend le chercheur, et là que ce soit dans n'importe quelle discipline, elle est une position qui n'est pas du tout la même que celle du militant. Et alors, donc là, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que finalement, j'ai eu aussi un certain nombre d'assignations quand j'étais plus jeune, finalement, qui étaient celles de ce qui est juste, c'est d'être militant. Ce qui est juste, c'est de s'engager dans la bataille politique, mais surtout dans le militantisme. Et donc, il y avait aussi un certain nombre de positions chez mes parents qui étaient qu'ils savaient finalement ce qui était juste de faire. Et la position du chercheur, elle n'est pas tout à fait celle-ci. La position du chercheur, elle est... Finalement, il ne sait pas exactement ce qui est juste. Il est plutôt du côté de la question. Toujours. Il est toujours du côté de la formation d'un questionnement et finalement du doute. Alors que moi, j'ai finalement assez peu vu chez mes parents le doute. Ils m'ont appris ce qui était juste. Il y a quelque chose qui est très présent et qui est presque corrélatif entre la position du clinicien qui ne sait pas et qui finalement ouvre un espace pour essayer de comprendre avec l'autre. Ce qu'il se passe, la position du clinicien, elle est déterminante, puisque le clinicien ne sait pas et il a absolument besoin de l'autre pour essayer de comprendre quelque chose. Donc ça, c'est complètement différent de la position, en tout cas, du militant tel que je l'ai défini. Maintenant, comment on peut définir un autre type de militantisme, ça c'est autre chose. En tout cas, moi, je te parle de la lecture que j'ai eue un peu du militantisme, c'est-à-dire du sachant, du militant expert, de celui qui avait des clés pour comprendre et qui allait les dispenser aux autres. Donc la position du clinicien et la position du chercheur, elles sont, en tout cas pour moi, elles sont très proches.
Maintenant, la vraie différence entre la position du clinicien et la position du chercheur, c'est le rapport à la théorie. Voilà. Moi, la première chose que je peux te dire, là encore, c'est une question extrêmement intime, c'est que le fait de commencer à travailler en psychodynamique du travail et à faire des enquêtes, et notamment, faire un travail de clinicien du travail, orienté à partir du socle théorico-pratique de la psychodynamique du travail, le fait de commencer à faire ça, rapidement, ça m'a un peu mis en crise. Une vraie crise d'identité, parce que, quand même, la lecture du monde qui m'était proposée était une lecture assez proposée, là je parle non seulement dans mon espace familial, mais aussi dans mes lectures. C'était que, en gros, la classe ouvrière, les dominés, finalement, étaient en quelque sorte... Il y avait une sorte d'héroïsation de la classe ouvrière, d'héroïsation du dominé, qui était capable, par tous ses efforts, de subsister face aux injustices qui leur étaient faites. Chose auquel je souscris encore aujourd'hui vraiment en partie. Sauf que moi je me suis rendu compte que cette héroïsation était assortie d'une angélisation. Et en fait quand je me suis retrouvé avec les collectifs de travail, concrètement sur le terrain, je me suis rendu compte que les personnes n'étaient pas des anges. Et ça a été extrêmement compliqué puisque ça a provoqué une vraie crise, quoi. C'est-à-dire que, en fait, là, pour le dire un peu plus rapidement, ou de manière un peu raide, je me suis rendu compte que la classe ouvrière n'était pas aussi belle que ce qu'on m'avait dit. Et donc, en rentrant dans les collectifs de travail, j'ai vu aussi un certain nombre de choses qui m'ont mis en crise, c'est-à-dire vraiment la collaboration, la participation à la reproduction d'un système conjugénique, le désir forcené de reconnaissance, l'individualisation du rapport au travail qui était aussi très activement souhaitée par les personnes, et ça m'a vraiment mis en crise. Parce que là, je me suis dit, en fait, c'était pas comme je l'avais pensé. Donc ça a été un des premiers enseignements fondamentaux de la clinique, de voir finalement les êtres humains tels qu'ils sont, et donc de rompre un peu avec... Ça veut dire quoi, tels qu'ils sont? C'est-à-dire rompre avec l'angélisation, avec finalement un homme plus complexe. Des êtres humains, des hommes, des femmes plus complexes que ce que j'avais, compris. Alors c'est vrai que de dire tels qu'ils sont, c'est comme si j'avais l'impression que j'avais compris quelque chose. Mais en tout cas, il y a eu un moment où j'ai en quelque sorte, fait l'expérience finalement de la confrontation au réel et donc finalement d'une sorte de prisme, ou en tout cas de voile comme ça qui s'est en quelque sorte dissipé. Et c'est vrai que le fait d'avoir une clinique de la souffrance éthique a été extrêmement compliqué, de voir finalement aussi comment, par exemple, dans des maisons de retraite, des aides-soignantes pris complètement embarquées dans des conditions de travail absolument dégueulasses, hein, avec des rythmes de travail, un mépris, un déni de leur travail, vraiment des conditions extrêmement exécrables de travail, mais de les voir en plus participer à tout ça et de trouver par leur ingéniosité des manières de faire pour continuer à travailler tout en faisant des choses absolument dégueulasses m'a vraiment mis en crise. Donc ça c'est une première chose. Après, ce que j'ai compris, de manière plus générale, c'est que finalement, tout ce que je voyais là dans le travail avait des conséquences sur la société. Et donc j'ai vraiment compris ce qu'on appelle la centralité politique du travail, mais c'est vraiment que la manière dont nous travaillons détermine spécifiquement la manière dont nous vivons en société. Et donc le fait de voir comment ça se passait au travail, ça m'a permis de comprendre aussi ce qu'on appelait ces trucs qu'on entend assez souvent quand on discute avec les gens. Les gens nous disent les gens aujourd'hui sont plus individualistes, les personnes aujourd'hui sont complètement prise dans un chacun pour soi. Il y a des grands discours généralisants comme ça. Et en fait, j'ai compris que c'était d'abord dans le travail que ça se passait.
et que si on ne prenait pas au sérieux la question du travail, eh bien, on allait avoir un peu de mal à repenser la question du vivre ensemble. Ça c'est le sujet de ma thèse, en fait. Ma thèse, elle porte spécifiquement dans ce contexte de domination sur la question de la résistance, en fait. Donc, du que faire. Que faire dans un contexte de domination, quand est-ce forcené, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans un système sociopolitique qu'on peut dénommer, hein, qui s'appelle le néolibéralisme, dans lequel aujourd'hui on voit finalement une sorte de triomphe, hein, quand même, de la conception néolibérale de la société. Que faire ? Comment ? Donc, il y a un certain nombre de réponses qui peuvent être formulées. Mais je pense que les réponses, elles peuvent être formulées à partir du moment où on considère que le travail, il peut apporter quelque chose. Non seulement il peut apporter quelque chose à la construction du vivre ensemble, mais en plus, c'est le travail qui bâtit la civilisation. Il n'y a pas de civilisation sans travail. Donc il s'agit de prendre au sérieux la question du travail. Et que le travail peut être au service du meilleur, pas seulement au service de l'aliénation. Et donc pour arriver à penser le que faire, donc moi je suis parti d'un angle en essayant de penser la résistance. C'est-à-dire, dans quelle mesure il y a des pratiques d'opposition au système néolibéral, mobilisées par les travailleurs eux-mêmes, et qui permettent finalement de freiner, en quelque sorte, ou en tout cas de se tenir contre l'avancée du système néolibéral. Pour arriver à formuler cette résistance-là, il faut arriver à caractériser le néolibéralisme. Première chose, à partir de la clinique du travail, notamment à partir de la lecture de Souffrance en France, on sait que le néolibéralisme, on peut le définir par trois points assez faciles, hein. En tout cas c'est assez facile à partir de la lecture de Souffrance en France. Et le premier point qui caractérise le néolibéralisme et qui va aussi nous permettre de comprendre un peu comment finalement une action peut être pensée, le premier point qui caractérise le néolibéralisme, de mon point de vue, qui n'est pas unique, unique, qu'on ne retrouve pas uniquement dans le néolibéralisme. D'une part, c'est ce qu'on pourrait appeler le déni du travail vivant. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les organisations du travail, le travail vivant, c'est-à-dire la manière dont les gens engagent leur subjectivité, mobilisent leur intelligence dans la tâche, c'est-à-dire leur contribution singulière à l'organisation du travail, est aujourd'hui déniée. C'est dénié, on le sait assez bien, par tout un ensemble de pratiques qui finalement se regroupent dans l'organisation du travail. Les dispositifs, qu'on appelle, comme on dit maintenant. Voilà, les dispositifs organisationnels, qu'on appelle, c'est souvent la qualité totale, ou en tout cas des démarches de normalisation, de procéduralisation du travail, et qui fait qu'à chaque fois que les gens disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui va être opposé aux travailleurs, c'est un ensemble de tableaux, d'indicateurs, de statistiques, dans lesquels on va dire ce que vous vivez n'est pas tout à fait juste. Donc ça, c'est une première chose qui va caractériser le néolibéralisme, et plus spécifiquement l'organisation néolibérale du travail, c'est ça. C'est d'une part le déni du travail vivant. Deuxièmement, par le truchement de l'évaluation individualisée des performances, on voit que l'organisation du travail, elle instaure, et on le voit dans les enquêtes, une lutte, c'est le terme, il est de Bourdieu, une lutte de tous contre tous. C'est-à-dire qu'au travail, tu te retrouves très nombreux, mais chacun seul. Ça, c'est pour paraphraser une pièce de théâtre de Jean-Pierre Bodin et Alexandrine Brisson. Donc on est là, tous ensemble, mais finalement, chacun se retrouve seul, dans une sorte de lutte de tous contre tous, par le truchement de l'évaluation individualisée des performances. C'est un truc que tu connais assez bien, mais c'est-à-dire parce que on décide de mesurer objectivement et quantitativement le travail, et qu'en plus de ça, à partir de cette évaluation objective et quantitative, on va filer des primes, des avancements, ou on va faire des menaces au licenciement, eh bien, de facto, ça a produit une déstructuration du vivre ensemble, une casse des collectifs de travail. Et donc, de mon point de vue, le deuxième aspect qui caractérise l'organisation néolibérale du travail, c'est la lutte de tous contre tous, la déstructuration des collectifs de travail. Le troisième élément qui caractérise l'organisation néolibérale du travail, et qui est quand même très arrimé aux deux autres, c'est qu'avec tout ça, les gens, pour tenir, font des choses qui sont, pour le dire de manière assez euphémisée, ambiguës sur le plan moral. C'est-à-dire que les gens vont contribuer à l'accroissement de l'injustice sociale et à ce que Christophe Dejour appelle la banalisation du mal. C'est le troisième point caractérisant l'organisation néolibérale du travail, puisque maintenant, comme
Il y a le déni du travail vivant, il y a la lutte de tous contre tous. Le travail se retourne contre la vie. Avant de savoir ce qu'on fait, il faut absolument qu'on analyse la situation. C'est pour ça que là, on y arrive. Et donc, on a les trois points qui caractérisent l'organisation néolibérale du travail, qui sont le déni du travail vivant, la lutte de tous contre tous et la banalisation du mal et de l'injustice sociale. À partir du moment où tu as ces trois points qui caractérisent l'organisation du travail, maintenant, on peut caractériser les actions de résistance qui luttent contre ces éléments-là. Malgré tous les dispositifs, finalement, de mesures et d'individualisation des gens qui décident de dire « bon, maintenant, stop, on va essayer de maintenir une qualité du travail et on va se remettre à travailler ensemble. » Le potentiel de ces actions-là, le potentiel émancipateur de ces actions-là et de lutte contre le néolibéralisme est absolument prodigieux. Et c'est ce qu'on peut aussi retrouver dans des gens qui décident de monter des structures, des associations, des entreprises dans lesquelles on décide de travailler autrement. Et notamment de ne pas subir les injonctions constantes à l'évaluation objective, à la concurrence effrénée. Et donc ça, c'est une des voies. Sauf que ces voies-là, elles passent, de mon point de vue, nécessairement par d'abord une clandestinité. Pourquoi ? Parce que de plus en plus aujourd'hui, par la juridicisation de ce qui se passe au travail, c'est-à-dire que tous les protocoles, les normes, etc., aujourd'hui, de plus en plus sont enracinés dans la loi. Aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que recomposer des coopérations, référer au travail vivant dans lequel tu essayes de maintenir un travail qui contribue quand même de manière honorable à la construction du vivre ensemble dans la cité, tenir cette position-là, c'est résister à l'organisation néolibérale du travail. Aujourd'hui, tout ce qu'on a du côté de la modernisation de l'action publique, la révision générale des politiques publiques, les normes standards de comptabilité appliquées aux grandes entreprises, tous ces machins-là, très clairement, œuvrent contre le travail vivant. C'est-à-dire que c'est des organisations qui contraignent les gens à saloper le travail. Et donc, de fait, rétablir des coopérations spécifiquement vectorisées pour faire un travail honorable, eh bien, implique que les gens rentrent en résistance parce qu'ils vont devoir s'opposer à ces dispositifs organisationnels. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je t'ai évoqué les trois aspects, c'était pour moi, pour que je puisse regarder, pour que je puisse finalement avoir un certain outillage théorique pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Mais pour les gens qui résistent concrètement, eux, ce qui les mobilise tout de suite, c'est de faire un travail de qualité et de le faire ensemble, c'est-à-dire de maintenir des liens unificateurs pour réaliser une œuvre commune. Des liens entre eux. Mais eux, ils se disent pas je vais lutter contre le déni du travail vivant et tout. C'est ce qu'ils font de fait. On a même des gens qui, apparemment, sont très libéraux dans les discours, voire, ça arrive, hein, des gens qui sont assez d'accord avec un certain nombre d'injonctions proposées par le néolibéralisme, du côté de la réalisation de soi, d'être entrepreneur de soi-même, etc. Des mecs qui se retrouvent, notamment voilà, dans des cliniques, des médecins, en opposition frontale avec tout ce qui leur est assigné aujourd'hui par les directions d'hôpital, l'ARS, etc., et qui se retrouvent de fait dans une position de résistance et néolibéralisme parce qu'ils ne lâchent pas sur la qualité du travail et ils ne lâchent pas aussi sur les liens de coopération qu'il peut y avoir avec les collègues. C'est ça qui est en fait assez intéressant. C'est-à-dire que n'est pas résistant au néolibéralisme celui qui s'affiche comme dénonciateur ou finalement la personne qui va fustiger le système. Voire même, c'est ce que j'ai vu dans mes enquêtes, c'est malheureusement assez souvent l'inverse. C'est-à-dire qu'on a découvert une stratégie de défense, bon, que pas une grande découverte, mais que j'ai pu appeler la stratégie de défense, collective de défense du désengagement contestataire, qui fait que les gens contestent le système, les gens s'affichent comme des opposants affirmés au système, et en fait, cette position-là leur permet de se désengager du travail et d'arrêter de bosser. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils luttent contre la souffrance éthique, assez souvent c'est ça, c'est-à-dire ils sont amenés notamment à l'ONF à faire des choses qui vont saloper la forêt, et s'ils continuent à le faire, ça risque de très très mal tourner du point de vue de la santé mentale. Et donc, que font-ils ? Eh bien, ils rentrent dans ce retrait, c'est-à-dire qu'ils lâchent, ils ne contribuent plus au travail collectif, ils n'apportent plus leur contribution au travail collectif, et ils se réfugient dans une sorte de citadelle contestataire dans laquelle ils vont dénoncer le système, mais sur le terrain, quand on se retrouve avec les équipes, les gens disent « oui, mais lui, il dit qu'il est opposant au système, mais il nous laisse dans la merde ». Et donc ça participe de l'érosion des solidarités, participe
de l'accentuation de la lutte de tous contre tous, et ceux qui adoptent la positionnement du retrait contestataire disent, vous voyez, et vont dénoncer les collègues en disant, vous voyez bien tous ces soumis, vous voyez bien toute cette servitude, ils sont vraiment les plus grands collabos du système, et en fait, ils contribuent eux-mêmes à la lutte de tous contre tous. Mes enquêtes et ma recherche, elle a été pour moi importante pour ça, parce que j'ai découvert que si on décide de considérer la question du travail vivant comme centrale dans l'élaboration d'une théorie de la résistance, eh bien, on voit des choses un peu nouvelles.